les enfants font une farandole. Et le vieux maître est tout ému. Demain il va quitter sa chère école. Sur cette estrade il ne montera plus. Adieu monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Vos offrandes, c'est quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Adieu, monsieur. Bonjour mes chers étudiants de la sixième année d'enseignement primaire. Je suis très joyeux de vous retrouver une nouvelle fois avec des nouvelles leçons. Maintenant, on va faire des épreuves de langue française de la sixième année. Je sais très bien que vous trouvez des difficultés dans la compréhension des questions, dans la compréhension de la grammaire, dans la compréhension d'orthographe, dans la compréhension des textes d'appui que vous avez reçu pendant l'examen. Maintenant, je vais faire avec vous des examens tels que les examens que vous reçus le jour de l'épreuve, et on va essayer d'expliquer le texte, d'expliquer les questions et de répondre. C'est parti, on va commencer. Le premier, ou bien la première épreuve, on va lire premièrement le texte. Et je vais l'expliquer et on va entamer les questions. Tu tournes le robinet, l'eau coule, chaude, eau froide, propre, potable et abondante. Magique, non, c'est tellement magique, tellement naturel qu'on n'y prête aucune attention. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes ne trouvent pas facilement l'eau potable. Parfois, elle utilise une eau tellement sale et polluée qu'elle est dangereuse pour la santé. Allez, regardez maintenant. Lecture, compréhension de l'écrit, compréhension sur la lecture du texte. Je vais premièrement expliquer quelques mots. L'eau potable, yani, ma'un nadif, et abondante, yani, razir ou moujoud. C'est tellement magique. يعني هذا سحري وهذا جميل جدا تيلمون ناتوريل طبيعي جدا
qu'on n'y prête aucune attention, yani là n'عطيه اي اهتمام. Aujourd'hui, 2 milliards de personnes ne trouvent pas facilement l'eau. 2 milliards من الناس لا يجدون الماء بسهولة. Parfois, احيانا, elles utilisent l'eau ici cachée, elles utilisent tellement elles utilisent l'eau sale, يعني يستعملون ماء غير نظيف et pollué ou ملوث. Quelle est dangereuse pour la santé, يعني خطير للصحة. Les questions 1. Ce texte est-il un article, un poème ou un récit? يعني هذا هل هو جزء من article أو قصيدة أو حكاية un récit أو قصة. C'est très évident, évidemment c'est un article. يعني c'est un article qui est écrit dans une revue. Alors ce texte est un article. 2. Qui est l'auteur de ce texte? Alors, pour trouver l'auteur, je vois à droite, en bas. L'auteur, je réponds comme ça. L'auteur de ce texte est Jacques Fnesca. Jean-Jacques Fnesca. Troisième question. L'eau potable manque à combien de personnes dans le monde? L'eau potable, alors je réponds. L'eau potable manque 2 milliards de personnes dans le monde. 4. Quelle sera la cause des conflits et des guerres dans l'avenir? يعني ماذا سيكون سبب الكونفلي المعارك والحروب في المستقبل, l'avenir المستقبل. Peut-être l'eau sera la cause des conflits de l'avenir. L'eau sera la cause principale des conflits dans l'avenir. 5. Que faut-il faire pour préserver l'eau? Pour préserver, يعني كي نحافظ على الماء. Pour préserver l'eau, il faut ne pas le gaspiller. Il faut l'économiser. Il faut éviter de le dilapider. 6. Propose un titre au texte. يعني اعطي عنوان. Un titre, ne pas gaspiller l'eau. L'eau est une richesse. L'eau va nous manquer, par exemple. Alors maintenant, on va partir à les activités réflexives sur la langue. À partir, septième question, à partir des textes, relève deux mots et leur antonyme. يعني من النص بالانطلاق من النص أوجد أو استخرج دو مو كلمتين et leur antonyme والضد. L'antonyme والضد. Alors par exemple, il y a chaude, froide, propre, sale, potable, pollué. 8. Ajoute un préfixe ou un suffixe à chacun des mots de la liste. Alors, on va ajouter un préfixe ou un suffixe pour obtenir un autre mot. Propre, propreté, direct, indirect, ou bien directeur. Directeur, c'est un préfixe. Tiré, tireur, froide, froideur. 9. Mets dans l'ordre alphabétique les mots suivants. يعني سنضع الكلمات حسب ترتيب المعجم. أكسي, أوكين, أو, إكسبير, ماجيك, تيري. غرامير, إكري لا فراس سي دي سو, ألو سي دي سو يعني أسفله, à la forme négative, يعني la forme négative يعني في النفي. L'eau sera la principale cause des conflits. Alors, dans la forme négative, l'eau ne sera pas la principale cause des conflits. Alors maintenant, on va passer